Merci. Donc, l'étape finale de la reconstruction, c'est un voyage qu'on vous propose toujours parce qu'on est des perfectionnistes. Et donc, dedans, vous allez voir plusieurs étapes. Et bien sûr, c'est toujours une discussion avec vous. Puis, il y a un moment où vous nous dites stop. Alors, le sein reconstruit, l'étape de symétrisation, finalement, c'est travailler sur le sein qui n'a pas été malade, pour essayer de lui donner une forme le plus proche possible du sein qu'on a reconstruit par les différentes techniques que vous avez vues avant. En gros, il y a trois techniques qu'on a à notre disposition. Soit on augmente le sein qui n'a pas été malade parce que le sein reconstruit, finalement, se trouve être un peu plus gros que le sein qui n'était pas malade. Soit on réduit et on redrape le sein qui n'a pas été malade parce que cette fois, c'est le sein qui n'a pas été malade qui est un peu plus gros. Et puis, on a des techniques de finition qui sont la liposuction, la lipogreffe. C'est des techniques qui sont directement empruntées à la chirurgie esthétique. Et puis après, on a les reconstructions du mamelon et de l'aréole. Toutes ces techniques, toutes, absolument toutes, sont couvertes par la RAMQ. Donc, il n'y a pas de frais accessoires, il n'y a pas de faux frais. Toute la reconstruction, quelle que soit la technique, même s'il y a une augmentation de l'autre côté, va être pris en charge par la Régie d'assurance maladie du Québec. La première technique, c'est l'augmentation du sein. C'est des techniques directement issues de la chirurgie esthétique. Juste pour information, j'ai pas trouvé meilleure source que les fiches d'information du CHUM pour vulgariser ces techniques-là. Puis c'est les premières à apparaître sur Google quand on tape symétrisation du sein. Donc, on a trois voies d'abord. En général, nous, on aime bien mettre les augmentations par voie sous-mammaire. Et ça permet d'augmenter le sein qui n'a pas été reconstruit pour lui donner une allure le plus proche possible du sein qui a été reconstruit. Ici, une reconstruction par Dieppe. Le Dieppe était un peu plus gros, était un peu déformé au départ. On a retravaillé en fait sur les deux seins. Là aussi, c'est des propositions, c'est des discussions avec le patient. Comme on vous a dit, la reconstruction, ce n'est pas retrouver ses seins, c'est toujours imparfait. Donc là, il était imparfait et on a trouvé comme compromis d'augmenter un petit peu les deux seins, à la fois le sein reconstruit par Dieppe et l'autre sein, pour obtenir une symétrisation acceptable. Deuxième technique, la réduction du sein. Le sein qui a été reconstruit a un certain volume, on reconstruit le mamelon et puis on se rend compte qu'il y a une forte différence de volume par rapport au sein natif. Alors, on le réduit avec les techniques de réduction mammaire qu'on utilise en chirurgie plastique. Ça permet d'équilibrer les deux seins, de retrouver une silhouette. Le redrapage, c'est un petit peu la même chose, à part qu'on n'enlève pas de volume du sein, mais on redrape la peau pour essayer de faire remonter l'aréole à un niveau qui va donner une symétrie à la silhouette. Ici, une technique, là aussi, vous voyez, une reconstruction par un lambeau de grand dorsal. Donc, c'est des techniques qu'on a vues passer aujourd'hui. Résultat qui n'est pas tout à fait, qui est pas parfait, avec une asymétrie. Alors, on décide de retravailler en redrapant les deux seins pour essayer d'arriver à une symétrie le plus proche possible de quelque chose qui soit acceptable. Reconstruction du mamelon, on l'a vu dans le film, vous avez vu quelques détails. On travaille comme un origami japonais et on plicature la peau pour lui donner un peu de relief. Et puis, c'est souvent complété par un tatouage, là aussi, qui est pris en charge à 100% par l'assurance maladie du Québec et sur lequel on travaille pour donner aux patientes un accès plus rapide dans l'unité de reconstruction du sein. Donc voilà les résultats. Là aussi, ce n'est pas parfait, mais ça, nous, c'est des outils qu'on a pour amener à finaliser la reconstruction. Je voulais vous parler d'une dernière technique. Il se peut quelquefois que les prothèses, notamment dans des reconstructions immédiates sur des prophylactiques, soient un peu visibles, y compris les prothèses en gel de silicone. On peut avoir ces vagues. On a maintenant à notre disposition une technique qui est la lipogreffe, qui permet de prélever de la graisse au niveau abdominal et de la réinjecter entre la peau et la capsule de la prothèse. Ça permet de gommer
ces imperfections. Là aussi, c'est des techniques qu'on vous proposera. Et puis, il y a un moment où il faut vraiment nous arrêter. Donc, c'est pour ça que je vais m'arrêter là. Voilà. D'autres. Merci.